Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un lise pour nous Juges. Someone read chapitre for us 3, verset 7 à 11. Chapter 3, verse 7 to 11. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan, Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan, Rishathaïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Otniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cushan Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cushan Rishathaïm. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Et Otniel, fils de Kenaz, mourut. Amen. Judges, chapter 3, from verse 7 to 11. I read the word of God. The Israelites did evil in the eyes of the Lord. They forgot their Lord, their God, and served the Baals and the Asherah. The anger of the Lord burned against Israel so that he sold them into the hand of the Cushan Rishathaim, king of Aram, Naharaim, to whom the Israelites were subject for 8 years. But when they cried out to the Lord, he raised up for them a deliverer, Otniel, son of Kenaz, Caleb's younger brother, who served them. The Spirit of the Lord came on him so that he became Israel's judge and went to war. The Lord gave Cushan Rishathaim, king of Aram, into the hands of Otniel, who overpowered him. So the land had peace for 40 years until Otniel's son of Kenaz died. Verset 12 à 15, même chapitre. Same chapter, verse 12 to 15. Juges 3, 12 à 15. Judges chapter 3, verse 12 to 15. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël, parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglon réunit à lui les fils d'Amnon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il battit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Eglon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Eglon, roi de Moab. Amen. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord, and because they did this evil, the Lord gave Eglon, king of Moab, power over them, getting the Moabites, the Ammonites, and the Amalekites to join him. Eglon came
and attacked Israel, and they took possession of the city of palms. The Israelites were subject to Eglon, king of Moab, for 18 years. Again, the Israelites cried out to the Lord and gave them a deliverer, Ehud, a left-handed man, the son of Gera, the Benjamin. The Israelites sent him with tribute to Eglon, king of Moab. Amen. Amen. Ce passage These words nous explique comment Dieu juge les hommes. Explain to us how God judges people. Et pourquoi certains démons dominent sur les hommes. And why some demons rule over people. Lili pour nous, 1 Samuel 16, verset 14. First book of Samuel 16, verse 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. 1 Samuel 16, verse 14. Now, the Spirit of the Lord had departed from Saul, and an evil spirit from the Lord tormented him. Amen. La parole de Dieu dit, the word of God says, dans le livre des juges, in the book of Judges, les enfants d'Israël ont fait ce que Dieu n'aime pas. The children of Israel did what God doesn't love. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. They did evil before God. Et qu'est-ce que Dieu a fait? And what did God do? Dieu les a livrés à un roi puissant pour les mater, God pour les oppresser. Give them over to a powerful king to ill-treat them. Les enfants d'Israël, the children of Israel, firent ce qui déplaît à l'Éternel. What is evil before the Lord? Et l'Éternel les vendit à Cushan-Rishathaïm. And the Lord handed them over to Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. The king of Mesopotamia. Ils ont péché. They sinned. Dieu les a vendus. God sold them. Et le roi règne sur eux. And the king is ruling over them. Ce roi-là joue le rôle des principautés. This king is playing the role of principality. Les enfants d'Israël sont les amis de Dieu. The children of Israel are friends for God. Ils abandonnent Dieu. They forsake God. Et Dieu les livre entre les mains de quelqu'un qui veut les détruire. And God gives them to someone who wants to destroy them. Quand tu t'engages à vivre dans le péché, when you commit yourself to live in sin, peut-être le péché d'adultère, maybe the sin of adultery, Dieu te dit arrête, 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 tu n'arrêtes pas. God tell you stop, 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 you don't stop. Il te livre. He gave you over. Et les principautés d'adultère, and the principalities of adultery, prennent possession de ton être. Take possession of your body. Parce que tu as refusé d'écouter le conseil de Dieu. Because you refuse the advice of God. Il dit après ils ont crié à l'Éternel. He said later on they ils ont crié out to the Lord. Quand ils ont commencé à souffrir. When they started suffering. Ils ont crié à l'Éternel. They cried out to the Lord. Et l'Éternel a envoyé un libérateur. And the Lord sent to them a deliverer. Si tu cries. If you cry out. Si Dieu écoute tes cris. If God listens to your cries. Il va envoyer une armée détruire. He will send an army to destroy toutes les principautés qui sont sur ta vie. All the principalities which are on your life. C'est lui-même qui les a laissés. He is the one who led them. Parce qu'il était fâché. Because he was hungry. Mais quand tu te mets à genoux. And when you kneel down. Quand tu supplies. When you plead. Il t'exauce. He grants you. Et il envoie la solution. And he sends the solution. Quand il envoie un esprit, quand il envoie un ange détruire l'esprit qui domine sur toi, c'est ça qu'on appelle on a renversé les principautés. When he sends an angel to destroy the spirit which is who is ruling over you, is when we say the principality is overthrown.
1 Samuel 16, verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? First book of Samuel 16. L'esprit de l'Éternel s'était retiré de Saül. It says the spirit of God departed from Saul. Et un mauvais esprit venant de l'Éternel s'est mis à l'agiter. And a wicked spirit coming from the Lord came and tormented him. Pourquoi la Bible dit que un mauvais esprit venant de Dieu n'a pas de mauvais esprit. God has no but a wicked spirit. Mais si la Bible dit, but if the Bible le says, mauvais esprit est venu de Dieu, the wicked spirit came from God, et a commencé à tourmenter Saül, and started tormenting Saul, ça veut dire que Dieu a livré Saül à un démon. It means that God has handed Saul over a demon. Parce qu'il était devenu mauvais. Because he became wicked. Jaloux. Jealous. Mauvais. Bad. Il poursuivait David pour tuer. He was chasing David to kill him. Il n'obéit, lui-même n'a pas obéi à Dieu. He himself did not obey God. Dieu lui a dit, God told him, va détruire les Amalécites. Go and destroy Amalekites. Il a gardé le roi, il a gardé les brebis he qui étaient bien. He kept the king, the sheep. Et il a commencé à faire la tournée. And he started turning around. Et il a bâti un monument à son nom. And he built a monument on his name. Il a offert un sacrifice qu'il ne devait pas offrir. He offered a sacrifice that he should not. Dieu a enlevé le Saint-Esprit. God removed the Holy Spirit. Comme il y a des esprits qui rôdent toujours, cherchant qui. As there are spirits always wandering, looking for. Je vous dis, le diable cherche qui il va attaquer. I can tell you the truth, the devil is always seeking who he will attack. De telle sorte que quand la main de Dieu quitte un peu sur toi. In a way that as soon as the hand of God is removed on you. Il entre. They enter. Et Dieu laisse. And God led him. Parce que tu as péché contre lui. Because you committed sins against him. C'est ça en théorie. C'est comme ça que ça fonctionne. This is how it works. Les enfants d'Israël pêchent. The children of Israel commit sins. Dieu les livre. God give them over, hand them over. Ils commencent à souffrir. And they start suffering. Au début, c'est des bruits. Ils veulent résoudre ça eux-mêmes. At the start, they try to find solution themselves. 8 ans. 8 years. Ils se battent. They were struggling. Après, ça devient difficile. And later on, it became hard. Ils commencent à pleurer. And they start crying out. Lis Juges chapitre 6. Read Judges chapter 6. Écoutez un autre exemple. Listen to another example. Frère, ça, c'est pour te montrer la voie de sortie. Brother, this is to show you the exit way. Dieu God a prévu planned la délivrance. Deliverance. C'est ça qui est intéressant. This is what is interesting. Lis. Read for us. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Les enfants d'Israël. The children of Israel. Firent. Did ce qui déplaît à l'Éternel. What is evil before God? C'est comme ça que ça commence toujours. This is how it always starts. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. And God handed them over to Madian. C'est comme ça que ça se poursuit. This is how it goes. Pendant 7 ans. 7 ans. 7 years. La main. Un peuple béni a blessed people, que Dieu a sorti de l'Égypte. Whom God took from Egypt. Comme ils ne veulent pas obéir. Comme ils ne veulent pas obéir. As they don't want to obey, Dieu les livre aux Madianites. God Sept années d'esclavage. 7 years of slavery. Continue. La main de Madian fut puissante contre Israël. La main de Madian fut puissante contre Israël. The hand of Madian was powerful against Israel. Tu essaies de lever la tête, boom. You try to lift up your head and boom. Les démons dominent, c'est pour ça que demons rules. Tu t'habilles bien là, tu mets rouge à lèvres, tchar tchar tchar, la marée de nuit vient te renverser, boom. You dress well, you put lipstick and the spiritual husband come and overthrow you. L'esclavage devient tel que toi-même tu marches comme ça, tu sais qu'il est derrière. The slavery is in a way that you are walking like this, but you know that he is behind. 7 années d'esclavage. 7 years of slavery. Continue.
Pour échapper à Madian. Pour échapper à Madian. To escape Madian. Les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes. Dans les ravins des montagnes. They hide in the holes of mountains. Dans les cavernes. Dans les cavernes pour se cacher. In the caves. Et sur les rochers fortifiés. Sur des rochers fortifiés. And on strongholds. Un peuple béni. A blessed people. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Écoutez les techniques d'oppression. Listen the technical of oppression. Oui, vas-y. Et ils marchaient contre lui. Oui, continue. Ils campaient en face de lui. Ils campaient en face de lui. Détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Écoutez. Listen. Les Madianites étaient vraiment très méchants. C'est-à-dire que les techniques d'oppression étaient graves. Ils laissent Israël travailler toute l'année. Ils ne les dérangent pas. Vous-même, vous connaissez que l'agriculture, ils travaillent. Quand le temps de récolter arrive, ce sont les Madianites qui viennent récolter. Et ne laissez en Israël ni vivre. Ni brebis. Et ils récoltaient tout, ils secouaient même les herbes pour se rassurer que rien n'est resté. To ensure that nothing is left. Ni bœufs, ni ânes. Ils prenaient les bœufs, ils prenaient les cows, ânes. The donkeys. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Pour le ravager. To destroy it. Ils laissent un peuple misérable travailler toute l'année. They work all the year. Et ils prennent les bœufs, les ânes, tout ce qu'on peut utiliser pour transporter les gens. They can use. Et ils venaient camper là, ils sont they là. Come and camp in front of them. Israël commence à trembler. And Israel starts trembling. Et ils s'enfuient. And they fly. Et ils entrent, ils récoltent tout, ils ravagent. They come and harvest everything and destroy. C'est comme ça que les principautés se comportent. Puisque Dieu n'est pas là, Dieu vous a abandonné. This is how principalities et Dieu work. Vous a livré. As God is no more there, and He has handed you over there. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Israël fut très malheureux. Israël, à cause de Madian. Israël fut très malheureux à Israel cause de Madian. Was very unhappy because of Madian. Donc quand certaines personnes disent qu'elles souffrent, ne riez pas. So when some people tell they are suffering, don't laugh. C'est terrible. It's terrible. Parfois on est obligé d'arrêter certains témoignages. Sometimes you are forced to stop some testimonies. Parce que ce que les frères disent est vrai. Because what the brothers are saying is quelqu'un true. Qui passe toute la vie de souffrance, si tu lui donnes même 2 minutes pour témoigner, il est toujours en train de vouloir tout raconter. Someone who spend all his life suffering, if you give him 2 minutes, he wants to tell you everything. Chaque période de sa vie était la souffrance. Every part of his year was sufferings. Et la petite page de délivrance est petite, et puis j'ai rencontré Jésus, il m'a délivré. Donc, and the path of deliverance is very short. Le passé. The past. Tout le passé. All the past. Noyé dans la misère. In misery. Judge. Pas une seule page de délivrance, la rencontre avec Jésus. There is only a page of deliverance, the meeting with Jesus. Nous avons rencontré une dame. We met a lady. Elle pleurait. She was crying. Après avoir lu le brisement des liens. After having read the breaking of evil ties. Elle pleurait seulement. She was just crying. Elle me dit, je pleure, pourquoi? She said, why am I crying? Elle dit, quand j'avais les oppressions. She said, when I was going through oppression. J'expliquais. I used to explain. Personne ne comprenait. No one could understand. Il dit, parfois je voyais mon père, il vient physiquement. Nu dans ma chambre. She said, sometimes I could see my father coming physically naked in my bedroom. Et mari de nuit, alors ça c'est une autre histoire. For a spiritual husband, this is another story. Finalement. Finally.
Elle a attrapé des maladies. She fell sick. Des envoûtements. She was bewitched. On a enlevé l'utérus. They removed her home. Elle dit, je pleure parce que she said, I'm crying because je suis âgée de 52 ans. I am 52 years old. Même si je suis délivré. Even if I am delivered. Ça vient tardivement. It's late. Les principautés ne s'amusent pas. Elles viennent pour détruire. Principalities are not joking. Pour ravager. They come and destroy. Ils utilisent les hommes. They use, elles utilisent les hommes. They use human beings. Les démons. Demons. Même les esprits de mort. Even spirits of dead. Mais tu peux être délivré. But you can be delivered. Pour être délivré, to be delivered, il faut une certaine sagesse. You need a kind of wisdom. Il faut que tu observes. You must watch. Pour réaliser que les démons ne sont pas aussi forts pour faire ça. For you to realize that. Ne sont pas autant forts pour faire ça. Demons are not so strong to do all that. Il y a une main derrière. There is a hand behind. Tu dis c'est Dieu qui a permis ça. You say it's God who allows it. Ce mari de nuit là. This spiritual husband. Il y a quelqu'un qui le pousse. There is someone who pull him. Who push him, sorry. Ce n'est même pas le diable. It's not even the devil. Ça doit être Dieu lui-même. It might be God. C'est comme ça que le réveil commence. This is how the revival starts. Après, la Bible dit, and the Bible says, ils crièrent à l'Éternel. Donc ils ont su que ça vient de Dieu. Out. C'est lui qui nous punit. They cried out to the Lord. It means they were aware that it came from God. Il est vrai, le diable existe. Il est méchant. Il fait beaucoup de it's mauvaises choses. It's true, the devil exists. He's et wicked and does a lot of bad things. Il n'a rien de bon en lui. He has nothing good in him. Mais but Dieu est fâché. God is angry. C'est Dieu qui a chassé Adam du jardin. It's God who chased Adam from the garden. Ce n'est pas le diable. It was not the devil. C'est Dieu qui a créé l'univers. It's God who created the universe. Et tous les hommes, tous les êtres dans and les sur la terre, beings, dans les cieux, tout est à lui. The earth and in the heavens. Quand les hommes essaient de faire comme s'il n'existait pas. When people try to do as he does not exist. Il est maudit. He curses them. Et des pires choses leur arrivent. And what thing happened to them? Des choses horribles. Horrible things. Les enfants d'Israël. The children of Israel. Firent ce qui déplaît à l'Éternel. Did what is evil before the Lord. Et l'Éternel les livra entre les mains de Cushan-Réchétaïm, roi de Mésopotamie. And the Lord handed them over the hands of Cushan-Réchétaïm, king of Mesopotamia. Et ils ont souffert. And they suffered. Ils crièrent à l'Éternel. They cried out to God. Et l'Éternel leur envoya, leur suscita un libérateur. And the Lord sent them a deliverer. Donc, si tu veux so if you want combattre to fight, la première chose, the first thing, sache que ça vient de Dieu. Understand that it comes from God. Que personne ne te vole ton argent, donne-moi l'argent, je vais te délivrer. Ça vient de Dieu. Let no one steal your money, saying, give me money, I will deliver you. Tu peux traiter this ça avec coming ton from Dieu. God. You can treat it with your God. Sans payer aucun sou. Without paying any money. Hey, lis Isaïe 52. Read Isaiah 52. À partir du verset 1. From verse 1. Réveille-toi. Réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi. Ça, c'est quand Dieu décide. This is when God decides. De te sauver. To save you. Quand tu as prié. When you prayed. Il dit, réveille-toi, lève-toi. So wake up, rise up. Ça veut dire qu'il t'a exaucé. It means he has granted you. Oui, vas-y. Car il n'entrera plus chez toi. Il n'entrera plus chez toi. He will not come into your house again. Ni incirconcis, ni impur. Ni incirconcis, ni impur.
Non circumcised someone, non unsound people. À la place de tout ça, tu mets les démons devant des esprits de mort. So you put demon at the place of all of this word. Secoue ta poussière. Secoue ta poussière. Shake dust. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou. Détache les liens de ton cou. Remove the ties from your neck. Il y a des gens qui disent brisement des liens, ce n'est pas biblique. Dans le brisement des liens, is not biblical. Dieu te dit, in the breaking of evil enlève ties, les liens qui sont sur toi. Remove the ties which are on you. Détache les liens de ton cou. Remove the ties on your neck. C'est ce qu'on va faire ce soir. This is what we are going to do et this afternoon. Tous ceux qui sont liés seront déliés. And all people who are tied will be untied. Continue. Captive, fille de Sion. Captive, fille de Sion. Captive, daughter of Zion. Car ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Listen. C'est gratuitement que vous avez été vendu. C'est gratuitement que tu as été vendu. You have been sold for free. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. C'est Dieu qui décide. You are not going to pay money for your deliverance. On t'a vendu gratuitement. You have been sold for free. Car ainsi parle. Écoutez, listen. On t'a acheté à combien? Gratuitement. Tes parents sont partis, t'es livré gratuitement, sans argent. And handed you over for free, without money. Et Dieu dit, and God is telling et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. It is not through money that you will be redeemed. Tu vas sortir, tu es libre. You will get out, you are free. Dieu veut dire, on ne t'a pas acheté. God is saying you have not been bought. Et les gens, le démon se comporte comme si t'as acheté. The demon behaves as he bought you. Ton Dieu était fâché. Your God was. Il n'est plus was fâché. Unhappy. Was angry. He is il dit, réveille-toi. He said, wake up. Détache les liens de ton cou. Remove the ties from your neck. Ça doit se passer ce soir. That must happen today. Proclame-le. Proclaim it. Dis, je n'ai pas été vendu à prix d'argent. Say, I have not been sold. Et ce n'est by pas money. À prix d'argent qu'on doit me racheter. It is not through money I should be redeemed. Le Seigneur m'ordonne. The Lord is commanding me. De me lever. To stand up. De secouer la poussière. To shake the dust. Et de sortir de la servitude. To go out from slavery. Ça va s'accomplir. That will come to life. Dis, ça va s'accomplir. So that will come to life. Personne ne peut l'en empêcher. No one can prevent him from doing so. Vous savez, so. Dieu, il est souverain. God is sovereign. Il est souverain. He is sovereign. Quand il décide de délivrer. When he decides to deliver. Il délivre. He delivers. Lis pour nous Joël, Joël chapitre 2 verset 25. Lis Joël chapitre 2. Lis Joël 2 verset 25 et 26. Joël 2 verset 25 et 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Quand Dieu décide. When God decides. Ça va s'accomplir. That will happen. Tout ce que les Madianites ont arraché là. All that the Madianites snatched from your hands. Tu es devenu malheureux. You have become an unhappy. Chaque année. Every year. Madian vient tout ramasser. Chaque année. Every year. Madian vient tout ramasser. Madian come and take everything. Tu ne peux rien contre lui. You can nothing against him. Ils sont forts. They are strong. Pourquoi? Why? Dieu leur donne l'autorité sur toi. God gives them the authority mais on you. Quand il y a les cris. But when there are cries. Oh, il criait à l'Éternel. When he said they cried out to the Lord. Et l'Éternel les délivra. And he delivered them. L'Éternel les délivra. He delivered them. Et Dieu dit. And God says. Je veux remplacer. I will replace les années qu'ont dévoré la sauterelle. The years that locusts devoured. La sauterelle, le gelec. The gelec. Le gazam et le hazil. The gazam and so on. Il dit, ma grande armée que he j'avais envoyée, moi, l'Éternel. My great army that I sent me, the eternal. Les démons peuvent partir tous en une seconde. Demons can all go in one second. Pourquoi? Why? Parce que la personne qui les soutenait a enlevé sa main. Because the one who supported them removed his hand. Il n'est plus fâché. He is no more angry. Il s'engage même à restaurer ce qu'ils ont gâté. He commits himself
to restore what they wasted. Dis, ça va s'accomplir. Say that will happen. Dis, au nom du Seigneur Jésus. Say in the name of the Lord. Ça va Jesus. S'accomplir. That will happen. Ça va s'accomplir. That will happen. Lis le verset 26. Read verse 26. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Vous mangerez. You will eat. Et vous vous rassasirez. And will be satisfied. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. And you will celebrate the name of the Eternal your God. Dis, ça va s'accomplir. Say that will happen. Ça va s'accomplir. It will happen. Et fini. Qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple and my people ne sera plus jamais will never again dans la confusion. Be into confusion. Frères, brothers, vous savez, you know, quand Dieu donne, when God gives, il ne reprend pas. He does not take it again. Vous savez, parfois on dit il y a l'arc-en-ciel. On dit, la Bible dit que Dieu avait pris pour signe l'arc-en-ciel. Que the quand Bible on voit, il se souvient de l'alliance et il ne laisse plus le déluge détruire la terre. The Bible says that God sent a rainbow to as a covenant between him and human beings so that there will no more be flood on earth. Dieu te restaure. God is restoring you. Et il tisse une alliance avec toi. And he is having a covenant with you. Tu auras peut-être des petites tribulations sur la terre. You will maybe go through small trials on earth. Il dit, prenez courage. He said, be courageous. J'ai vaincu le monde. I've overcome the world. Mais l'humiliation. But humiliation. Du genre que les Madianites viennent récolter. Of a kind of a Madianite came and harvest. Les produits qu'ils n'ont pas semés. The thing that I have not ça, c'est fini. This is finished. Il y aura du pain à manger chez toi. They will have bread to eat in your house. Il y en aura pour offrir à quelqu'un qui est de passage. Tu dis, viens you manger. Will have enough to offer some to someone passing by. You tell him, come and eat. Tu auras des vêtements. You will have clothes. Tu en auras pour offrir à celui qui n'en a pas. You will have enough to offer to the one who is not is who don't have some. Tu auras des couvertures quand il fait froid. You will have covers when it's cold. Tu seras honoré. You will be honored par les hommes. By men. La honte qu'on a jetée sur toi, shame Dieu ordonne you. God is commanding que tu secoues ça comme la poussière. That you shake it as dust. Toi-même, tu vas secouer, tu secoues ça. You shake, you shake. Qui a sali mes habits, tu secoues la poussière. Et elle tombe. And it falls. C'est ça qu'on appelle la délivrance. This is what we call deliverance. C'est-à-dire, c'est Dieu qui délivre. It's God who delivers. S'il ne te délivre pas, ça ne va pas durer. If he does not deliver you, this won't last. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Nous sommes les enfants de Dieu. We are the children of God. Ce sont des choses que Dieu a prévues longtemps. There are things that God has planned since long time. Lis pour nous Actes chapitre 15. Read for us Acts of Apostles chapter 15. Verset 14 et 16. Verse 14 to 16. Ouais, Dieu travaille. C'est fini. See, God is working. C'est comme ça. C'est fini. Actes chapitre 15. Que les autres partent sans perdre de temps. Nous, on let continue avec l'enseignement. On without wasting our time. Lis. Actes chapitre 15, versets 14 et 15. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en reparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Seek the Lord.
ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur. Dieu avait prévu. God planned. Que les nations. That the nations. Allaient l'adorer. Will worship him. C'était prévu. It was planned. À un moment donné, certains apôtres ne savaient pas que l'évangile devait être prêché aux païens. At a certain time, some apostles didn't know that the gospel was to be preached to the pagans. Cette parole dit. This word says. Dieu l'avait prévu. God had planned que la lumière va atteindre les païens, les nous autres. That the light will come to the pagans. Dis amen. People like us. Say amen. Ça donne la joie. It gives joy. Donc aucun démon. So non-demon. Ne doit t'empêcher d'écouter l'évangile. Must not prevent you from listening to the gospel. Dans le plan de Dieu. In the plan of God. Tu dois adorer Dieu. You must worship God. C'est toi. You are. En Jésus. In Jesus. Le vrai enfant d'Israël. The true child of Israel. Tous ceux qui ont cru. All people who believed. Sont les vrais enfants d'Israël. Are the true children of Israel. Lis ce verset-là en anglais et on va commencer à prier. Read this verse in English and we'll start praying. Acts 15, from verse 14 to 18. Simon has described to us how God first intervened to choose a people for his name from the Gentiles. The word of the prophets are in agreement with this, as it is written. After this, I will return and rebuild David's fallen tent. Its ruins I will rebuild. I will restore it, that the rest of mankind may seek the Lord, even all the Gentiles who bear my name, says the Lord, who does these things. Things Amen. Known from long ago. Amen. Amen. Dieu a ordonné. God commanded. Que tu détaches le lien. That you untie the ties. Lis Psaume 2, verset 1 à 2. Verse 1 to 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Let's break the ties. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous de leurs chaînes. Let's get rid of the chains. La parole de Dieu demande. The word of God says. Pourquoi les gens s'opposent-ils à Jésus? Why are people opposing Jesus? Et pourquoi les gens ne t'aiment-ils pas? Why don't people love you? Pourquoi dès que quelqu'un dit j'aime Jésus, on le méprise? Why when someone says I love Jesus, he is despised and insulted? Et le Saint-Esprit dit. The Holy Spirit says. Brisons le lien. Let's break the ties. Personne ne doit te dompter. Personne. Personne ne doit te dompter. No one must rule over you. Tu es libre. You are free. Tu es libre. You are free. N'accepte plus le joug, pas d'esclavage. Never accept the yoke again. Tu no slavery in your life. Tu you are a child of God. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Les démons qui partent sans qu'on les ait chassés là, savent demons que c'est vrai. Who are leaving? Ils sont déjà en train de quitter. Before we start praying. Ils savent. They know. Ils savent que cette parole. They know that these words. Les détruit leur règne. Destroy them and destroy them. Ils savent que cet évangile est vrai. They know that this gospel ils is savent true. They know. Qu'ils devaient te laisser tranquille. That they should have left you since ever. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui ordonne. It's the Lord who is commanding. Qu'on te laisse tranquille. That they leave you alone. Pourquoi? Why? Parce que tu as crié. Because you cried. Tu as crié. You cried et out. Tu es en train de crier. And you are crying out. Certains dorment ici. Some people sleep here. Sous la pluie. Under the rain. Dieu a écouté. God has listened. Il te dit. And he's telling you. Je te restaure. I restore you. Vous voyez? Un petit fou ivrogne. A small madman. Est devenu un grand pasteur. A drunkard has become a pastor. Pourquoi? Why? Sa sœur a pleuré. His sister cried out. Et il est là, il a parlé là. And he's here. He spoke.
Qu'un démon vient dire que ce n'est pas vrai. Let a demon come and say this is not true. Ça va t'arriver. That will happen to you. Ça nous arrive. It is happening to all of us. Vous verrez le salut dans les familles. You will see salvation into the families. Il y aura le genre de conversion qui provoque le réveil. They will have a kind of conversion which triggers. C'est-à-dire des gens qui acceptent Jésus et qui entrent dans la délivrance du péché. It's many people who accept Jesus and experience the deliverance of sin. Vous verrez un type de jeune converti qui ne discute pas avec toi, est-ce qu'on doit boire, est-ce qu'on ne doit pas boire. You will see a kind of new converted who does not argue with you. Shall we drink or not? Pour eux, c'est automatique. For them, this is automatic. Vous verrez le genre de conversion où les jeunes filles ne tentent pas de tirer un païen pour venir le convertir et afin qu'il devienne son mari, son potentiel mari. You will experience the kind of conversion where young girl will come and they don't try to take someone in the world so that he may become the husband. Une jeune fille rendait témoignage. A young girl was giving a testimony. Elle dit que quand elle a cru, she said when she believed, elle allait au centre-ville. She go to the town center. Et un monsieur avec qui elle avait commis le péché and est venu la tenir dans la main. With whom she committed sin, come and take her hands. Elle a dit, laisse-moi. She said, leave me alone. Tu ne sais pas que j'ai donné ma vie à Jésus. Don't you know that I have given my life to Jesus? J'avais aimé ce témoignage-là. I loved Jesus. Laisse-moi. Leave me alone. Tu ne sais pas que j'ai donné ma vie à Jésus. Don't you know that I have given my life to Jesus? Aujourd'hui, elle est puissante missionnaire. Today, she is a powerful missionary. Il y aura ce type de conversion. We will have this kind of conversion. Qui réveille l'œuvre. Qui réveille l'œuvre. Which revives the work. Pas de tawa-tawa, un pied devant, un pied derrière. Not confusing people with one hand, one leg before and one leg behind. On flatte. People, nous sommes bénis. We are blessed.